Bonjour Corinne Bornet, vous êtes peintre en décor. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la restauration d'une chapelle telle la chapelle du Cerisier ? Oui, donc je suis arrivée, c'était tout blanc, c'était tout en plâtre blanc. Le mur derrière l'autel et puis les statues, il y avait trois statues à mettre en couleur. Donc en premier lieu on fait du nettoyage parce qu'il y a pas mal d'araignées, de petits oiseaux qui viennent faire leurs petites affaires ici. Ensuite il y a un travail de préparation de fond avant la mise en couleur. Donc là toute la voûte est or et bleu. Le mur du fond est bleu, il va y avoir des petites étoiles or qui vont s'ajouter là au fur et à mesure. Et puis dessus donc, viennent s'ajouter les statues, donc on a Saint-Augustin, Saint-Joseph. La Pietà a été déjà faite ultérieurement. Et puis en bas, sur un socle, on a la Vierge Marie qui elle aussi sera mise en couleur. Voilà, donc ensuite chacun va récupérer sa place. Donc on va remettre l'autel à sa place, le dé là, qui viendra pour... Il y a un petit tissu là, qui vient avec la tête du Christ en dessous, donc ça va habiller aussi le mur du fond. D'accord. Voilà, bon. Très bien.